Hello. One of my advanced students asked me to help him improve his pronunciation in French. And one way of doing it, and one way that really helped him improve his pronunciation, is actually listening to me reading text. And because when he reads, he sometimes doesn't know how to pronounce words. And so what we did, we really practiced on different texts. We began with small articles, and then recently I thought, oh, why not maybe try and use literature? A couple of weeks ago, I took an extract from this book, Jean Giono, Naissance de l'Odyssée. This book is quite difficult, even for French speakers, but actually he really, really enjoyed it. This book is really rich in vocabulary. It's the kind of vocabulary that people don't really use nowadays. Some words might be very old, but the great thing about it is that you learn a lot more, because it really stimulates the curiosity. It's funny, my advanced students, all of them, I'm just talking here is just for one particular student, but my really advanced students, they are between 60, 70 years old, maybe even older than 70. But actually what I noticed about them, like all of them, they have the drive to learn new things. They always want to be stimulated, and they really have pleasure learning French as a foreign language, but I'm sure that it can apply to other things and other languages. I feel that they're very, very, you know, they're full of energy. So that's really what I love about them. And the fact that they also inspire me in a way. So I get really a lot of inspiration from them. And I'm thinking, oh, great, I want to be like that, you know, when I get older. I still want to learn new things. So what I'm going to do now, I'm going to try and read the text properly, just to give you a little taste of what those lectures, readings are. And maybe you will find maybe some pleasure in it, hopefully. And then in the Facebook post, I'm going to add some vocabulary as well, like all in French, with some words that I found, that I actually discovered myself, and with the definition. And I would say, put some comments there if you already knew those words, or if they are new for you. Let me know, because it would be nice just to have your point of view. Donc c'est extrait de Jean Giono, Naissance de l'Odyssée. Aplati sur le sable humide, Ulysse ouvrit les yeux et vit le ciel, rien que le ciel. Sous lui, la chair exsangue de cette terre qui participe encore à la côtelle des eaux. La mère perfide ululait doucement. Ses molles lèvres vertes baisaient sans relâche, à féroce baiser, la dure mâchoire des roches. Il essaya de se dresser. Ses jambes, des algues. Ses bras, des fumées d'embrun. Il ne commandait plus qu'à ses paupières, et elles étaient ouvertes sur la désolation du ciel. Il ferma les yeux. Le désespoir se mit à lui manger le foie. Des claquements de petits pieds battirent, puis des exclamations si humaines qu'elles étaient comme fleuries. Les voix voletaient au-dessus de son corps. Sa peau entendait la tiédeur de ce souffle que pétrissait la langue. Il releva un peu ses paupières. Il était entouré par un cercle de jambes nues,
Son regard fit le tour, puis monta au long d'elle. Les jarrets sculptés par l'effort derrière l'arrière, les cuisses. Deux montaient sans poils, sous la tunique. Deux cuisses ombrées de bleu. Son regard échela. Des seins, c'était une femme. Comme on le soulevait, il aperçut, un peu plus loin, des gens qui s'empressaient autour d'une autre épave. Sur les herbes de la falaise, on hissait Archias. Il avait échappé à l'écrasement du chebec en embrassant le mât rompu. Il gesticulait et beuglait comme un veau marin. Une vieille balafre de couleur de soufre illuminait son front. La véhémence de son discours ébranlait sa barbe et la force de ses paroles qui jaillissaient dans une poussière de salive et d'eau de mer était telle qu'éberlués, les porteurs cherchaient en eux-mêmes le moyen le plus honorable de lâcher la civière et s'enfuir. Car, depuis le coup de matraque qu'il avait étendu devant la porte C, Archias avait le triste privilège de voir les dieux. Sans le secours de la fleur des nuages ou des brises dans le verger, il vivait toujours au milieu d'eux et de ses lèvres, comme d'une source sulfureuse, coulait un rêve terrible. Dans le long chapelet de jour marqué de pâquerettes, de blé mûr, de pommes, Ulysse rencontra la femme trois fois. La première, elle courait en dansant sous les tamaris. Avant d'entrer dans la pinède, elle tourna la tête. Puis, au bain. Il avait fureté toutes les calanques avant de trouver l'anse où elle se baignait. Mais elle le vit et, plongeant, disparut sous l'eau glauque. Une lourde grappe de bulles d'or la suivait. Enfin, par une vesprée torride dans la campagne immobile, Ulysse, passant devant la maison, l'aperçut une dernière fois. Par l'entrebâille de la porte, elle guettait. Elle sourit. Son sourire avait une puissance qui bouleversait les lois immuables. La terre se pencha, les arbres, les herbes rejetaient Ulysse vers le ventail qui doucement s'ouvrait. Il entra. L'ombre était fraîche, parfumée, épaisse comme la pulpe d'un fruit. Le flageolet d'une fontaine roucoulait. La femme s'appelait Circé. Maintenant, la conque des bateaux pêcheurs sonnait dans le goulet. Maintenant, quand la conque des bateaux pêcheurs sonnait dans le goulet, Ulysse descendait au village. Il poussait la porte de l'Héros marin, un caboulot du port. Il retrouvait là capitaine dans sa lombre, patron Photiades, l'équipage de la Vénus, le moussaillon de la Dorade qui avait si jantes joues et regards si gênants, tous connus chez Circé et bons amis depuis. On faisait crépiter sur les tables de bois d'interminables parties d'osselet. Il venait surtout à l'Héros marin pour la petite Lydia qui servait à boire. Elle sentait la Clovis et le vin et cet amer parfum de sueur qui affolait Ulysse. Les autres parties, il la prenait sur ses genoux, la caressait, lui comptait. Il n'était pas embarrassé pour les comptes. Déjà quand il portait sa gargaison de porc à Pylos, il s'en allait volontiers dans le sillage des femmes. Il se faisait tantôt passer pour un roi errant, pour un chasseur de fauves. Il s'était même vêtu d'une peau de dieu, une fois, en Ilide, en assaillant au creux d'un bois Mousarion la bergère. Au soir tombant, il remontait vers la maison de Circé. Des baisers et des coups de griffe l'accueillaient dès le vestibule. Here we go. So that was the beginning of the book. Jean Giono, Naissance de l'Odyssée. I hope you enjoyed this little extract. And yeah, don't hesitate to put your comments. Maybe, you know, if you found that, what about this pronunciation there? Are you sure that you pronounce it all right? Because I'm not sure myself sometimes for some of those words. Like, for example, tamari. I said tamaris. And I haven't had the time to investigate how to pronounce it. If you know the answer to that, please let me know. Put a comment under my post, and it would be really great to just exchange your point of view, exchange your what you think, and learn from each other. Thank you so much, and have a nice day. Bye now.